Le unboxing, c'est sérieux. Salut ma gang de cosplayers, moi c'est Giz. Et moi c'est Laurent. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un des grands mystères des conventions qui nous chicote depuis des années, c'est-à-dire les boîtes à mystère. What? Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Pour ceux qui sont familiers avec les conventions depuis certains temps, il est apparu les fameuses boîtes à mystère. Donc on arrive dans un kiosque, il y a des boîtes avec des points d'interrogation, des fois c'est à l'effigie de Mario Bros, des fois à l'effigie de Doctor Who, mais cette fois-ci ça semblait être des boîtes vertes un peu à la Batman finalement. Ouais, c'est ça, ça me fait penser un peu au Sphinx, mais c'est pas vraiment le bon point d'interrogation. Non, c'est pas... Oh, une question de copyright. Question! Qui saura mettre au point la trappe, Nigo? Et on a sacrifié du YouTube money pour vous à la maison. On a sacrifié chacun 20 beaux dollars pour éclairer le mystère. C'est quoi que dans ces maudites boîtes à 40 piastres là? Le 20 piastres? Ben ça fait du bruit en tout cas. Alors le concept était simple. On choisissait une boîte. On avait une chance de regarder à l'intérieur si on aimait ça. On va changer de boîte. OK. Si on n'aimait pas ça, on en prenait une deuxième et on fermait notre gueule et on s'en allait à la maison avec ce qu'on a fait. On a donc aucune idée de ce qu'il y a dans cette boîte-là. Mais en partant, Laurent, je pense qu'on a un problème. Comment ça? On a mis chacun 20$. Oui. Donc 50% de ce qu'il y a dans cette boîte-là m'appartient. Ouais, mais 50% de ce qu'il y a dans cette boîte-là m'appartient. Exactement. On nous a promis qu'il allait avoir 6 objets différents dans la boîte. Bon, mais c'est parfait, 3 objets chacun. Il y a aucun problème. 5$ l'objet. Moi, je suis pas mal sûr qu'il va en avoir un plus cool, puis en tout cas, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Je suis prêt à me battre, il faut. Est-ce que tu veux que je sorte les objets un à un et qu'on voit nos faces? Pourquoi c'est toi qui sortirais les objets? Ok, on va fermer. Ok, l'important, c'est de sortir les objets sans regarder. Ouais. Et qu'on a la surprise en même temps. Ah ben regarde, on va pencher la boîte vers la caméra, tiens, ça va être concept. Ça me va. Fait que, on va faire ça. Et on commence à sauver cette affaire-là. Ah! Bon, vive! Ah! Et on part, ils veulent vraiment pas qu'on ouvre ça par accident. Ok, on regarde pas Laurent. Fait que là, nous on a aucune idée. Fait que, regarde, je vais t'inviter, vu que j'ai ouvert la boîte, à piger le premier objet. Ok, ben y a une grosse boîte en partant. Oh, j'ai entendu un bruit. En tout cas, qu'est-ce que c'est ça? C'est... Hey, c'est un point de Hulk! The Beast Drink Hugger. Big and bold and keeps your drink cold. Donc, c'est quelque chose pour garder nos boissons froides. Ok, attends une minute. Ok, tu te rentres la main dans le point, puis vu que c'est en styrofoam, ta main réchauffe pas le verre ou la canette ou la bouteille en question. Ah! C'est... Wow! Mais là, tu bois plus de liqueur. T'as-tu vraiment besoin de ça? Ben, je bois de la bière. Ouais, tu devrais en boire moins. On va continuer de regarder les objets. Peut-être qu'on se battra pas pour celui-là. Ok, bon, mais regarde, je vais... À ton tour. Ok, ça c'est quoi? Oh! C'est une tuque de Superman avec des... Je sais pas, hein? Oh! Bon, faut pas regarder! Faut pas regarder! Mais... Ben... Allô? Laurent, à date, je pense qu'elle ferait mieux à moi, premièrement. Parce que tu portes des tucs en été? Parce que je porte des tucs en été. D'accord. Pis c'est ma taille en plus, check ça. T'es un peu serré, je trouve. Tu trouves? Tu trouves pas que c'est un petit peu petit? Guiz, t'as pas l'air très intelligent. Ben, en tout cas... En fait, ça irait bien une fille, mais un gars, je sais pas. À date, Laurent, je me battrais pour celui-là par rapport au point de Hulk. D'accord. On continue? Ben oui, on continue. Fait que là, ça c'était moi. C'est mon tour. Ah, je pense que j'ai pogné un toutou. Oh! Oh! Hey, là, ça c'est pas juste. Un toutou de Batman, il est quand même cool. Ouais. Hmm. C'est l'ancien Batman ou c'est... Non, ça c'est plus celui des dessins... C'est comme un mélange. Il est quand même bâti pour Adam West. Ben Adam... Non, come on. Adam West, il était dur comme du fer. Tu tapais sur ses muscles pis ça faisait ça. Et ce n'est là qu'un bref échantillon des exploits. Mais à date, Laurent, j'aime beaucoup le Batman. Ouais. J'aime beaucoup la tuque que je suis en train de m'approprier sans que ça rencontre. Ouais, c'est ça, je suis en train de... Ben à toi de piger. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est encore une fois quelque chose qui est lié à Batman, on dirait. Mais c'est comique.
DC Comics Figural Key Ring. Figural Key Ring. Ok, c'est un porte-clés. Est-ce que pour ce que ça soit juste, faut qu'on l'ouvre? Oui! Pour voir c'est quoi? C'est bon! Oh! Quel est le porte-clés? C'est Harley Quinn! Oh! Le film, d'ailleurs, qui vient de sortir, Suicide Squad, est très mauvais! Cette farce sera la dernière, elle sera fatale! Je ne recommande pas. Ah non? Non, non, oui. C'est pas très bon. Est-ce que c'est meilleur que Ghostbusters? J'ai pas vu Ghostbusters, man. Toi, tu l'as vu, moi, je l'ai pas vu. T'as manqué d'excellentes jokes de pets de noon ainsi que de tirages dans les couilles. Mais je dois dire que j'ai vu Batman vs Superman, je m'attendais à pire. Pis je suis pas capable de savoir qu'est-ce qui est pire entre Suicide Squad puis celui-là. Je pense son niveau égal en déception. Ben, mais Harley Quinn, ça veut pas dire que je l'aime pas. Fait que non, ça m'intéresse, ça, le porte-clés de Harley Quinn. Fait que mettons, à date, dans les 4 objets, mettons que t'en as un que tu peux protéger. Ha! Harley Quinn? Ben oui. Moi, ça reste toujours là-dessus, pis en deuxième, c'est Batman. D'accord. Non, non, attends, wow, c'est... Dans les 4 objets, j'ai dit dans les 4. On est rendu à 4. Oui, je le sais, mais je pensais des objets que t'avais pigés, tu pouvais protéger. Parce que là, tu protèges ma tuque. Non, on va voir les 6 objets, puis ensuite on va trouver un stratagème de savoir comment qu'on décide. Ok, donc c'est à ton tour de tirer. Il reste plus rien, je pense. C'est quoi? C'est ce que tu viens d'ouvrir. Pourquoi tu l'as remis dedans? Je sais pas, mais. Oh. Ok. J'ai un Lego! C'est un Lego. C'est un bonhomme Lego. Yeah! C'est bien plate, on dirait qu'il manque des morceaux en plus. Ah ouais? Je sais pas c'est qui, la caméra, je sais pas si on le voit. Ça semble être Krang des Ninja Turtles. Ouais, mais il manque le casque. Ouais. Ça marche pas. En tout cas, de proche, on dirait que c'est Krang. Vous avez peut-être dit qu'on est innocent et qu'on comprend pas ce que c'est. Ouais. Mais je pense qu'on va passer au dernier. Je vais tout ramasser ce qui reste étant donné que c'est nécessairement la fin. Je pense que tu peux regarder vu que c'est la même. Non, on regarde pas. Et on regarde pas s'il dans le reste des objets, non, c'est comme dans Indiana Jones. On met ça des poupées. On va donner des poupées de plastique, puis on va fondre quand ils vont changer de fruit. Fait. C'est un autre Lego. Un bonhomme avec une tête étoilée. Crème, ils sont hot ces Legos-là, je les veux. Ok, fait que sur les 6 objets, ouais. Y a 2 Legos. Ouais. 5 pièces chaque. Moi, je sens que c'est un petit peu un stratagème, ces patentes-là, pour des boutiques qui ont beaucoup de stock, qui se vend pas. Faut ça dans des boîtes et essaye d'attirer le monde avec le mystère de la boîte. On voit des fois des sacs qui peuvent être moins dispendieux. Des fois, il y a un concours. Oh! Dans une des boîtes, vous allez gagner une Xbox One! Oui, ben... Là, tout le monde se garoche. Mais ça vaut-tu 40$? Ben non! Ben c'est ça. Mais moi, en fait, je me suis fait un peu avoir parce qu'on nous montrait dans les possibilités, il y avait le casque de Megaman qui est vraiment cool. Ben c'est ça, ils t'ont attiré avec ça. Qui se vend, je pense, 200$ normalement. Non, plus que ça. Ah, plus que ça. Non, le casque de Megaman qui s'allume, là, il est plus que... Fait que, ouais, j'étais un peu déçu quand j'ai pigé la deuxième boîte puis j'ai vu qu'il y avait pas de poids. Ouais. Ben Laurent, c'est l'heure de départager nos gains. Alors, okay. Ben regarde, on va dire, c'est quoi lequel qu'on veut le plus? Ben c'est ça, moi, Harley Quinn, moi je la garde. Ok, donc si tu gardes Harley Quinn, oui. Moi je garde la tuque. D'accord. C'est bon. Parce que honnêtement, je te vois la porter, puis je me vois pas la porter. Ok, fait que t'es en train de dire, j'ai l'air fou, je vais monter la vidéo, puis je vais être vraiment déçu. Ouais. Ok. Laurent, maintenant, t'as le choix entre 2 Lego, une main de Hulk pour ta bière ou un Batman? Je vais prendre un Batman. Ah ouais, hein? Ouais. Regarde, on va faire un deal, je te donne tout le reste. Je pense que je suis perdant si j'ai des Lego. Faut que t'aies un Lego. C'est parce que je vais le garocher aux poubelles. Ben c'est ça. Ben là, t'as un point de Hulk. T'sais, ok, oui, ok, regarde, je vais prendre un Lego. C'est beau. Voilà. Ben, coudon. Je vais l'essayer dans le prochain épisode du jeu, c'est sérieux. Ah oui, man, ça va être cool, ça. Moi, je vais l'essayer. Non, je l'essayerai pas. Ben, c'est ce qui complète notre vidéo de unboxing. C'est le fun. C'est un peu excitant. Ça dure 10 secondes parce que t'espères pogner un des gros prix en haut. Ça reste du gambling. Je vous le recommande pas. Si vous voulez quelque chose, achetez-le. C'est ça, rapport qualité-prix, on n'est pas du tout là. C'est plus une loterie, en fait, que vraiment quelque chose...
C'est pas comme un loot crate qu'on recevrait à chaque mois, qui est orienté autour d'un thème, et généralement c'est des produits intéressants. Là non, là c'est vraiment, on dirait du stock de seconde main. D'ailleurs les Legos sont même pas emballés. Ça je trouve ça louche, c'est weird. Alors merci beaucoup à la maison de nous avoir regardé dépenser notre argent inutilement, et on se revoit toute la semaine sur la chaîne du jeu C'est sérieux! Yeah! Hey, tout ce qu'on aurait pu faire avec cette 20 pièces-là, là... Ben, acheter des jeux. Guiz, t'en as pas assez!